atroce. On va s'en faire un du coup. Voilà. Alors. Je crois que le poison est un peu plus bas. Est-ce que je me mets une corde ici ou pas? Sachant que je sais pas ce que je peux faire avec le transporteur. Hein. Est-ce que je peux aider avec le transporteur comme je l'entends? Tout ça après je peux le grimper ça. C'est pas... Il y a une moto. Allons-y, on va mettre le... Ah non, ça doit être dans le truc du haut, là. On va mettre le masque. C'est où le masque? C'est ici. Masque à oxygène. Oups, je l'ai pas activé. Portez. Voilà. Très bonne échelle, ici. J'aimerais saisir l'échelle. Voilà. Ok. Et ensuite, on va utiliser une corde. C'est où les cordes? Ah mince, je l'avais ici. Pas insuffisant, voilà. Alors, ammonite. Ok, il y en a une ici aussi. Bon, ça va, hein, j'avais pris un radeau et tout, mais... En vérité, on peut largement porter tout ça. Pas de soucis. Hop, et là du coup je peux enlever. Merveilleux. Bon bah ça va au final. La flemme de sortir le l'espèce de radeau là où tu peux mettre le brancard là où tu peux mettre les marchandises dessus. Sachant que c'est juste à côté. Accrochez-vous. Ça va, c'était cool. Ouais mon gars. Faites-moi voir. Il faut que je la voie. Faut que je la voie, vous ne comprenez pas. Ma parole. Elle est vraiment dans un état impeccable. C'en est même troublant. Ce somme.
merci de m'avoir rapporté cette cargaison perdue. Un plaisir, mon gars. Oui, elle contenait bel et bien une ammonite dotée d'un véritable cordon ombilical. Grâce au réseau, j'ai déjà envoyé des images et une analyse préliminaire à Hartmann. Ce qui est intéressant, c'est que les strates environnantes contenaient des traces de poids, ce qui corrobore une de ses théories. Enfin bref, je sais que vous venez à peine de m'apporter cette ammonite, mais j'aimerais vous la faire livrer à l'une de mes collègues biologistes et vos... Ah bon, on savait de toute façon qu'il faudrait qu'on aille voir la troisième personne. Et je pense qu'elle voudra étudier ce spécimen au plus vite. Il est tout à fait remarquable, et je vous en félicite. Pour vous expliquer, elle étudie comment la poix a pu influencer le développement de divers organismes. J'aimerais donc que vous récupériez aussi les collecteurs de poix disposés près de son abri, et que vous les lui donniez en même temps que l'ammonite. Tenter de les récupérer elle-même serait beaucoup trop dangereux. C'est pourquoi nous devons faire appel à vous. En l'aidant dans ses recherches, nous pourrions nous rapprocher encore de la résolution des mystères entourant le Death Stranding. Nous faisons déjà tant de progrès grâce aux données qui ont été récupérées par le réseau. Si vous continuez à nous aider, je suis sûr que nous pourrons aller encore plus loin. Bah allons-y, rapprochons-nous. Au travail. Au travail. Alors, biologiste Evo Devo. Ah oui, donc faut qu'on aille dans une zone et qu'on chope un truc là-dedans, en fait. Il va y avoir des échoués. Du temps dégueulasse, mais en même temps, ça va avec les échoués. Et de la montagne, hein, toujours. Collecte de marchandises dans une zone occupée, oui, livraison, zone montagneuse, ok. Collectez 4 appareils d'extraction de la poix et apportez-les à la biologiste Evo Devo de l'abri 4124 avec l'ammonite dotée d'un cordon ombilical. Connectez l'abri au réseau chiral une fois votre mission accomplie. Ok, donc j'ai un truc déjà sur le dos, il faut que j'en récupère 4 autres. Alors j'ai encore des cordes, j'ai des échelles. Je pense qu'en truc j'ai pas besoin d'en créer d'autres, mais la question c'est qu'est-ce que j'emmène. Je pense que le transporteur finalement je vais pas l'utiliser. Je sais pas le poids des trucs que j'ai apporté, mais j'ai pas vu un truc à 3 chiffres. Pas eu de valeur à 3 chiffres sur ce que je vais devoir porter pour la mission, donc je suis plutôt rassuré. Par contre, dans ce que j'ai d'entreposé... Peut-être vouloir reprendre mon spray parce qu'il va de nouveau y avoir du blizzard. Et je vais vouloir prendre ma plaque thermique. D'être échauffé. Pour le reste, j'ai des grenades, j'ai une arme de poing anti-échoué, un fusil d'assaut. Par contre, je vois que le fusil d'assaut dans l'étal, il est niveau 1. Du coup, c'est que contre des mecs. Ça va pas m'aider là. Ça va pas m'aider du tout. Commande attribuée. Mais je pense que l'arme de poing plus les grenades niveau 2, ça va suffire. Alors. J'ai pas d'itinéraire enlevé ? Ok, cool. Alors. Une boîte de stockage en ligne, mais c'est tout. Sur le trajet. C'est pas fameux. Ça semble pas mal. Ça sent la grosse pente dégueulasse, mais... en oblique, là, mais... Globalement, c'est quand même assez encourageant. On va
passer comme ça, je pense. Voilà, et puis là, il faut que je fasse de la collecte. J'ai le masque s'il faut. Même s'il n'y a pas risque d'empoisonnement dans le truc de la mission. C'est surtout une zone d'échoué, quoi. On va voir. On va voir, ça sent l'échoué. Mine de rien, avec ces jambes-là, c'est vrai qu'on se déplace quand même largement plus vite dans la neige. Hein. Bon, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de neige, hein, mais... C'est ma foi. 63 cristaux, c'est bien ça. En plus, je peux courir sans perdre mon équilibre et sans tenir ce que j'ai sur le dos là, c'est plutôt agréable. Hein. Bafoué. Profitons-en, hein, parce qu'après, dans la zone des ennemis, à mon avis, on va pas pouvoir s'amuser à faire ça. Ok, on a un générateur ici, cool. Bon, les portes, faut quand même pas faire n'importe quoi, visiblement. Allez, il est venu le temps des précipitations. On avait une balade plutôt tranquille hein, jusqu'à présent. Noël, schling, schling, schling. Ah, des cristaux supplémentaires, pour en plaisir. Ça, c'est toujours un succès. Ok, quitte la neige. Et on arrive ici. Pareil d'extraction de poids, alors on va pas par là-bas, que par ici. J'ai pas l'impression que ce soit empoisonné pour le moment, si jamais on voit du nuage vert, faudra qu'on mette notre masque. Il va y avoir de la bête, hein. Sans doute. Ça faisait un moment. J'aurais jamais pu aller filmer.
Il y en a 5 à récupérer, il y en a au moins 4 qui sont par là-bas. Par là. Ok, il y en a un autre par là apparemment. La vache, oui, il y en a plein. Un autre par là. Ils sont nombreux, hein. Je sais pas s'ils respawnent à l'infini ou pas, mais... Dans le doute. Quel est mon objectif déjà? Je les ai perdus de vue. Alors, ils sont où les trucs que je dois chercher là? Ah merde, je les ai dépassés, c'est par là-bas. Je suis laissé aller. Aller buter plein de... Enfin buter. Libéré, on va dire ça comme ça. Aller échouer. On est pas mal. J'ai récupéré un des éléments. 1, 2, 3. 3 autres qui sont par ici. Oh la vache! Oui, il est gigantesque lui. Oh, il y en avait un qui était tellement grand. On va plutôt passer par là du coup. C'était un peu trop impressionnant pour moi là. Lui là, il est super grand. Ou alors il est super proche, l'un ou l'autre. Voilà.
Ah, je peux quand même l'avoir, pardon. Nice. Non, c'était pas le tour, hein, apparemment. C'était encore un autre.